Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour le numéro 40 donc du Bismarck. Et là, on va s'attaquer à avancer une partie un peu complexe. Vous verrez très bien qu'elle est assez compliquée à faire. Ça commence à être dur là. Voilà. Bon, allez, hop, on y va, les amis. On fait la présentation du fascicule, etc. Comme d'habitude. Laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous, bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné. Et la suite donc de ce que je vous ai présenté, le petit teaser, j'espère qu'il vous aura plu aussi donc sur le Santissima donc Trinidad. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, hop, on est parti au niveau du montage. Donc dans ce numéro 44, on va retrouver donc les différentes pièces qu'on va retrouver ensuite. Pas mal de montage à faire, hein, et assez compliqué. Le système d'armes du Bismarck et les armes, les systèmes de protection. Voilà, les lance-torpilles, etc. Hein. Les hydravions aussi. Voilà. Voilà. On voit pas mal de petites spécificités au niveau du Bismarck, toujours des belles images d'archives. Le Victory, donc là c'est le HMS Victory pour moi. Donc ça c'est un bateau qui est en train d'être construit. Qui est construit, donc est disponible si mes souvenirs sont bons chez Model Space. Si mes souvenirs sont bons. On peut l'avoir aussi chez Ocre, hein, bien sûr. Cette maquette-là, elle est faite par deux personnes, deux youtubeurs. L'un, donc, c'est World of Wayne, bien sûr, qui le fait entièrement. Et aussi, il y a la chaîne donc, de John, qui fait le Victory, donc le HMS Victory. Donc, c'est un bateau donc, du 18e siècle, donc voilà, qui appartenait aux Anglais et qui a fait différentes batailles. Qui avec donc une lignée de 100 canons. Il fait déjà beaucoup. Et du coup, pour les chroniques de la guerre sur mer, de 1354 jusqu'à 1379, donc on va voir un peu la suite des différents affrontements. De ce qui s'est passé. Ensuite, pour le numéro 45, on va retrouver d'autres petites pièces encore une fois. Donc les deux télémètres mobiles, les deux échelles, plateformes, etc. et des barres, des flèches d'antenne et des bastingages. On va retrouver aussi donc les équipements de reconnaissance et donc la bataille de la mer jaune. Donc voilà, alors c'est parti, on va voir un peu au niveau des pièces qu'est-ce que l'on a et on continue. Donc dans un premier temps on a donc toujours cette super belle pièce hein, donc, de la plateforme en bas. Donc qui est le pont supérieur. Alors ça on va retirer le pont supérieur qu'on peut retrouver ici avec donc les pièces du pont qui est donc le revêtement du pont ici, toujours un dos d'aussi belle forme, etc. Donc là je vais peut-être peindre ça en noir hein, plus tard ici aussi intérieur. Et voilà. Ensuite, on a donc une grosse grappe qui va correspondre à tous les éléments supérieurs. Donc voilà. On va aller pouvoir les coller dessus. Ensuite, on a donc... ces pièces-là qui font donc la montée, etc. Et là, on a donc la section supérieure du mât, oui, le râtelier des munitions. Voilà, il est ici. Alors, j'essaie de vous retirer tout ça. Pouf, pouf, voilà. Et les différentes barrières qu'on mettra à la fin. Ici et là. Voilà, donc ça, je les mets de côté. Je mets tout ça de côté. Et puis voilà. Et on a aussi, donc, j'ai oublié de dire. Les anneaux qui vont venir donc changer des anciens anneaux des ancres. Donc voilà. Hop, on est parti. Dans un premier temps, on va récupérer donc
On va récupérer le socle ici, là. Boum, tout ça. Et devant, comme on en a fait, déjà devant. Ensuite, on récupère déjà les deux parties de la section de ces parties-là. Là. On va les coller ensemble de cette façon-là. Et on enfonce ça dans les picots. Quitte même. Ouais, vas-y, je vais mettre là, quand même des points de colle. Pour dire que ça tienne. Et voilà la deuxième de fête. Ensuite, on va coller ça directement sur la structure ici à ce niveau-là. Donc je mets ça bien sûr des coups de colle sur les pattes. Ensuite, et ben là on va s'attaquer à la partie la plus compliquée, qui sont ces toutes petites pièces là. Alors je vais essayer de vous faire ça un peu en détail. On va récupérer cette grosse pièce là. Et on va aussi détacher donc la plus grande pièce qui est assez fine en plus. Et de deux. Donc, on va récupérer cette toute petite pièce là. J'ai peur. On va récupérer la minuscule pièce là et on va mettre ça dans la fente là ici. Là. Une de fait. Ah là là, j'ai hâte de la faire celle-là. Ouh. On va en chier, je vais en chier pour le poser. Donc là on peut voir que le plus gros il s'est glissé tout au fond. Là on a l'autre petit à mettre qui va aller venir sur le petit bidouilleux qui est juste en haut là, on peut voir ici là. Et ensuite on va mettre des espèces de pieds juste sur les petits trucs là. Bon. Mon Dieu. Bon. On est parti. Je mets de la colle dessus. Parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais chercher ma colle forte. Sinon, je vais m'en chier. Et la dernière pièce, on va la coller là sur le petit bitonio là-haut là. Tout en passant vers l'intérieur. Voilà le résultat final. Hein. J'étais à deux doigts de péter un câble. On continue. On va mettre maintenant, on va fixer ça le devant là. Devant.
mit in jede Übersaal, weil er so schüchtern war. Eines Tages zog er fort an einen unbekannten Ort. Viele Jahre war er weg. Voilà, ça se fixe. Pfiouh. Oh la vache. Putain. Je ferme la colle. Je voulais dire que là, il était short celui-là. Hein. Ensuite, je préfère poser les bouts, les tout petits bouts que les bouts comme ça. La moitié merdique à poser. Oh la vache. On continue, on va récupérer donc des pièces plastiques. Il y en a une qui est le 2 qui est celui-là. On va poser, on va mettre de la colle ici sur le bout et aussi autour. Et celui-ci, il va aller ici là. Oui, de une. Une qui se colle ici, et après, on va faire tout tour. La 3 juste ici. Le quatrième qui va venir juste à côté. Et la dernière qui va suivre un peu la forme qui est au sol là. Avec. Oh, il y a deux picots de chaque côté. Ah mince, je me suis trompé de chance. Et le dernier, juste ici. Je vais mettre aussi un coup de colle tout le long. Et voilà, une de faite. Ensuite, on continue. On va récupérer la colle métallique. Et là, on va mettre nos barrières autour. Tout autour, ici.
Et voilà. Je la colle un tout petit peu, je la maintiens. La dernière grille. Et voilà. Voilà la deuxième partie de fête. Je vais laisser sécher et après. De toute façon, on s'attaque à la suite là. On va faire donc les encres. Je reviens vers vous. Stadt und ich vom Bauernhof. Du hast Großstadttypen satt, die sind doch auf Dauer doof. Doch bei uns in der Provinz bin ich dein Märchenprinz. Baby, ich komme, Baby, ich komme, komm schon. Schnell, du seist intellektuell. Ach Quatsch. Ey, steig aus der Straßenbahn. Komm, lass uns Trecker fahren. Baby, ich komme. Baby, ich komme. Komm schon, komm mit mir. 2, 3, 4. Baby, ich hol dich mit dem Traktor ab. Baby, mit dem da mach ich niemals ab. Und dann spielen wir, was jeder kennt. Bon, ça c'est fait, je fais la deuxième tout seul. Donc, les deux encres sont faites là. Pouf, j'en ai chié. Eh ben, on a fait des belles pièces. Hein. Cette partie-là est faite aussi. Hein. On peut voir, ça donne une très belle forme. Je peux vous dire que c'était chaud. C'était très très chaud. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais... Arrivé à la fin de ce numéro donc 44, où nous avons monté donc tout l'ensemble de... du bas et qu'on a commencé à rassembler un peu certaines parties entre elles. Vous avez pu voir un peu que c'était assez complexe. Normalement, le prochain, d'après ce que je m'en souviens, c'est que ça va être un peu plus rapide et beaucoup plus vite. Donc le 45 et le 46, on va faire ça ensemble. Pareil, hein, bien sûr, mais deux numéros. Le 47, ça va être un numéro unique. Et puis après, voilà. Donc on va en plier la suite. Allez hop, à tous les amis. À plus.